Alors, on va patienter, on attend Yann. Il est ici en local 17h52, presque 18h. On sera tout on attend que Yann se connecte. Sinon, dans tous les cas, on va démarrer, on va un petit peu échanger. Et s'il n'y a pas grand monde, je ferai un petit topo sur l'intervention de Yann qui est prévue ici en local, ici, puisque moi je suis basé sur la Martinique, pour ceux qui ne savent pas. On va un petit peu présenter ce que je propose à travers Entrepreneur Puissant, d'une part, qui je suis. Et puis, ce qu'on peut mettre en place avec des intervenants comme Yann, comme demain avec Richard Oudrado sur le Bénin. Je suis en train de regarder en même temps, en fait, je regarde la qualité pour voir si c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a des arrêts. Patientez. Encore 5 minutes environ, donc on patiente, et puis on va démarrer à 18h. S'il y en est là, c'est tant mieux, ce serait vraiment bien. Ouais, pour moi, j'ai pas de nouvelles, et sinon, c'est pas grave, on va faire quelques minutes ensemble et on va un petit peu échanger sur tout ce que moi, Josué, au Mespin, je fais et ce que je présente à travers Entrepreneur Puissant, et puis en gros, l'objectif de tout ça, et puis des lives. Donc, on en aura plusieurs. Il y en a plusieurs qui sont programmés. Alors, faut savoir que ce live-là va être republié sur YouTube et on va prendre quelques sessions. On mettra sur Insta si la qualité en replay est intéressante. Et puis sur Link. Voilà, pour les formats vraiment pro, on n'a pas une session en formation mardi sur être référencé en tant que société et avoir des clients sans faire d'efforts. Donc là, voilà, on va repartager ça sur LinkedIn. Après, là, le format actuel, comment être au top dans sa vie, c'est vraiment un format tout public. Donc voilà, il risque d'atterrir sur YouTube. Donc voilà. Allez, dans 2-3 minutes, on démarre sérieusement et restez bien connectés.
N'hésitez pas à partager si vous trouvez que le live devient intéressant, si vous trouvez qu'il y a une pertinence, vous partagez et vous commentez. J'essaierai de répondre au fil du live ou plus tard. Bon, ah bah nickel.
18h02 minutes, voilà, donc c'est parti. Une petite session d'une vingtaine de minutes, 15 minutes environ, 15-20 minutes. Si Yann est parmi nous, ça va être vraiment top, encore mieux. Donc là, on démarre maintenant. Je fais quelques petits en même temps partage sur les pages d'à côté et je suis avec vous. Alors, ben, on va commencer comment? Ben déjà, bienvenue sur la page Entrepreneur Puissant. Donc, Entrepreneur Puissant, c'est une page que j'ai lancée pour un petit peu mettre en avant l'entrepreneuriat, le business, parler des opportunités, des succès, des technologies, de tout ce qui est vraiment tendance, évoquer aussi les différents échecs, comment les différents entrepreneurs ont rebondi par rapport à tout ça. Présenter les entrepreneurs aussi, échanger avec des personnes aujourd'hui qui ont réussi, échanger avec des personnes qui ont pu prouver que voilà, il y a des choses qui étaient possibles, des gens qui ont essayé. Voilà, c'est un petit peu ça, entrepreneur puissant. Et puis, un petit peu de motivation, donc, quelques fois par semaine. Donc, je vois des phrases donc, qui viennent de moi et de mon parcours personnel. J'échange un petit peu avec ceux qui sont intéressés d'échanger par les commentaires. Plus les commentaires, s'il vous plaît, pas les messages, parce que voilà, j'ai vraiment pas mal à gérer. De répondre en tout cas aux commentaires et à tous ceux qui ont envie de participer à cette dynamique. Donc voilà, donc c'est ça, entrepreneur puissant, pour résumer. Donc, c'est une page, mais c'est d'abord et surtout un groupe Facebook. Donc, il y a plus d'échanges possibles au niveau du groupe, même entre vous, hein, même ceux qui ont des activités en tant qu'entrepreneurs et qui veulent présenter leur activité, proposer des challenges, montrer ce qu'ils ont déjà fait, montrer leur parcours, parler d'eux. Donc, le groupe Facebook Entrepreneurs Puissants est là pour ça. Donc, je vous incite vraiment à l'utiliser. Il est là. On essaie de valider le plus que possible les publications qui sont pertinentes. Alors, ce qui est plus pur, bon, voilà, c'est bien, mais parlez plus de vous, parlez plus de votre histoire. Et si vous avez vraiment des services qui peuvent vraiment être intéressants pour la communauté, ben, envoyez-les, effectivement. Mais c'est vraiment l'idée, un petit peu de présenter l'entrepreneur même plus que l'activité publicitaire. Voilà, pour ça, on a d'autres canaux et à la limite, je les mettrai en lien à un moment donné sur le groupe s'il faut. Donc voilà. Alors, première chose, je vais demander pour ceux qui sont présents, s'il y en a qui sont présents, de me dire s'ils entendent bien, parce que si ça fait 5 minutes que je parle et personne n'entend, bon, c'est moyen. Et puis d'interagir. Hein. Donc, si vous avez des questions à poser, si vous avez des choses que vous souhaitez proposer, voilà, n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas si on aura Yann avec nous ce soir. Bon, à la limite, ce n'est pas bien grave, on va faire une session avec lui. On verra un petit peu pourquoi il n'a pas pu être présent. Et donc, je vais me présenter. Donc, je vais me présenter. Moi, c'est Josué Homespin. Je suis d'abord un serial entrepreneur. Donc, j'ai plusieurs structures. Ça fait une vingtaine d'années hein, que je suis dans l'entrepreneuriat. Et j'ai vraiment eu différents types de sociétés, différents parcours. Je suis à la base de formation tech. Et puis après, effectivement, j'ai mes propres sensibilités. Il y a des choses qui m'attirent plus que d'autres. Voilà. L'investissement m'attire, l'immobilier aussi m'attire. Donc, c'est des choses voilà, que je vais poster assez régulièrement. Mais surtout, tout ce qui est entrepreneuriat et business. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que vous allez voir le plus souvent sur la page. Comment être au tout top dans sa vie? Donc, ça serait intéressant d'avoir l'échange de Yann par rapport à ça. Donc, c'est vrai que Yann, c'est un conférencier qui est présent sur le Canada, que j'avais souhaité inviter pour cette session-là, qui lui, effectivement, est très concentré sur la performance et vraiment le style de vie à avoir pour pouvoir avoir des résultats dans sa vie, que ce soit professionnel ou personnel.
qui a effectivement eu déjà plusieurs succès, qui est auteur de plusieurs livres, donc qui sont super intéressants. Et puis c'est une personnalité, Yann, vous allez peut-être découvrir avec le temps. Je mettrai des vidéos au fil du temps, peut-être plus dans le groupe que sur la page, puisqu'on a ici un événement, en tout cas aux Antilles, qui sera prévu avec lui, et qui sera prévu le 9 et le 10 février. Donc, en local, donc c'est intéressant effectivement de pouvoir faire s'échanger les différentes connaissances et de pouvoir offrir ces opportunités-là à tout le monde. Hein. Voilà. C'est un petit peu aussi l'idée du live. Donc, le live, c'est vraiment de pouvoir échanger avec vous en direct. Poster, c'est bien. Avoir effectivement des échanges avec chacun, ça peut être aussi pas mal. Bon, je ne peux pas forcément avoir des échanges avec tout le monde, mais je peux répondre aux commentaires quand c'est intéressant, quand il y a du concret. Et puis, je vous invite vraiment à vous participer à travers le groupe Facebook Entrepreneur Puissant, qui permet effectivement de présenter l'activité, présenter vos services. Voilà. Les règles de base. Quand être au top dans sa vie, règles de base. Et Yann le dira s'il était présent, il dirait déjà, c'est d'être positif. C'est vraiment ce sur quoi moi aussi je travaille depuis toujours, hein, en fait, hein, ce que j'appelle la positive attitude. Donc la positive attitude, c'est-à-dire essayer toujours de voir le côté positif des choses, même quand vous voyez que vous n'arrivez pas à atteindre certains objectifs, que vous voyez que ça marche pas forcément comme vous voulez. Ou que voilà, ça marche, mais c'est pas le top, etc. Avoir la positive attitude, c'est toujours essayer de voir, voilà, pas chercher à savoir qu'est-ce qui est négatif, pas chercher à savoir qui est fautif, etc. C'est vraiment garder la tête sur qu'est-ce que je peux retirer de positif de cette situation. C'est-à-dire comment je peux voir le côté, voilà, le côté bon du truc. Comment je peux exploiter vraiment, voilà, il m'est arrivé une situation, j'ai vécu ça. En gros, qu'est-ce qu'il y a de positif que j'ai pu en retirer? Voilà. Toujours essayer de voir la lumière, voilà, la lumière qu'il y a sur chaque situation et d'essayer d'évoluer par rapport à ça. Basiquement, moi, je conçois que tous ceux qui, super merci Pelican, tous ceux qui voient effectivement une situation et qui voient toujours le côté dark, c'est des gens qui n'avanceront pas. C'est comme ça que je conçois les choses. Parce qu'effectivement, il faut avoir cette positivité intérieure pour pouvoir voir même le petit rayon de la petite lumière qui va vous permettre d'aller droit dessus et que vous verrez que c'est vraiment un gros soleil. Voilà, c'est la positive attitude pour moi, c'est ça. C'est voilà, du matin au soir, essayer de profiter dans les semaines et dans les mois. Si vous lancez par exemple sur un business, vous avez une idée. Voilà. Mais par exemple, vous n'avez pas les fonds. Vous n'avez pas les gens autour de vous qui peuvent vous aider à atteindre l'objectif de lancer ce business-là. Qu'est-ce que peut être le côté positif de cette situation? C'est-à-dire, déjà, vous avez une idée. C'est déjà une première lumière, en fait. En soi, c'est déjà une première lumière. Et peut-être qu'en fait, en échangeant avec des gens, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui peuvent vous aider à monter une marche, une deuxième marche, qui peuvent vous dire, moi, tiens, par exemple, j'ai un véhicule dont je ne me sers pas, je te le prête pour faire tes livraisons pour ton business. Voilà. Voilà, c'est ça la positive attitude. Essayez de trouver le côté positif. À la base, peut-être qu'effectivement, vous n'avez pas forcément voulu avoir effectivement des gens qui vous prêtent une voiture. Peut-être que vous voulez acheter une voiture. Mais peut-être qu'effectivement, le bon sens, c'est de savoir que la personne qui vous prête, c'est déjà un geste de lumière. Donc, recherchez toujours ce côté lumineux, entre guillemets, enfin, ce petit rayon, même si c'est un filet de lumière, mais ça suffit amplement. C'est un petit peu le même système que Vive pour l'espoir, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en gros, concrètement parlant, il faut avoir ce petit quelque chose auquel on s'accroche pour pouvoir voir par derrière le gros soleil qui brille. Et c'est un petit peu comme ça je perçois les choses de mon côté. C'est-à-dire que on n'a pas forcément ce qu'on veut quand on veut, ça c'est une chose. On n'a pas forcément tel qu'on le veut aussi, ça c'est autre chose. Mais toujours rester dans cet état d'esprit où on est vraiment positif. Bon voilà, j'ai démarré, j'ai lancé un produit par exemple. Bon, le produit, j'en ai vendu trois aujourd'hui.
Demain, j'en ai vendu trois. Mais la vraie réalité, c'est que, en fait, vous en avez vendu. C'est ça. Donc, c'est ça la lumière, en fait. De vendre zéro, peut-être, voilà, pas vendre du tout, une semaine, 2 semaines, pas vendre, voilà, on peut se dire, bon, voilà, peut-être que le produit intéresse, mais qu'il n'est pas au bon prix, peut-être que, voilà, il y a plein de pourquoi. Mais à vendre 3 produits, 4 produits, bah, c'est déjà une lumière. Il y a des structures comme Coca, pour ne pas citer Coca, qui vendaient quelques canettes par jour, par semaine, et puis qui vendent des millions par jour aujourd'hui. Donc il y a un début à tout, il y a un moment donné où il faut bah, se dire, si je n'ai pas tout ce que je veux, en gros, je n'ai pas réussi. Non, c'est concrètement, ça peut être étape par étape. Il y en a qui ont plus de chances que d'autres aussi, il y a ça aussi à prendre en compte. Mais effectivement, cette approche d'avoir la positive attitude dans son existence permet effectivement de pouvoir percevoir les choses du bon côté. Voilà. Et ça, c'est une phrase que vous allez m'entendre dire souvent, même au niveau des lives, etc. C'est la perception. Donc, la perception de vous à une situation. C'est vraiment, voilà, une façon de concevoir les choses. Et vous verrez qu'une fois qu'effectivement on fera des lives, vous en parlerez un petit peu plus, mais cette perception de vous à une situation, ça peut vraiment changer toute la donne. Vraiment changer toute la donne. Souvent, 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 on croit qu'il y a des situations qui sont sans solution ou qui n'ont pas de, voilà, ou vous ne pouvez pas vous en sortir, ou etc. Et ça peut être simplement une façon différente de voir les choses dans un angle différent, pardon, et qui peut effectivement soit solutionner, soit arranger, soit faire évoluer la situation. Donc, c'est vraiment ça. Parce que quand on regarde un problème, on le regarde et on fait que le regarder. On ne cherche pas forcément la solution. C'est ça, la différence. Donc, voilà. Ensuite, bon, pour un petit peu échanger concernant les événements à venir. Donc, on aura effectivement un live qui aura lieu demain. Avec Richard Jurado. Donc, je vais juste résumer. Richard Jurado, c'est un chef d'entreprise qui est présent sur le Bénin. La session actuelle qu'on devait avoir avec Yann, je pense qu'on la refera. Donc, je vais échanger avec lui, je passerai un petit coup de fil et je pense qu'on la refera simplement. Richard Jurado sur le Bénin a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, je pense que ce serait intéressant pour ceux qui sont dans la capacité de pouvoir être présents demain. Donc, je vous mettrai les horaires sur la page d'être présent pour ce petit event. C'est vraiment extraordinaire. Voilà, il a conçu son petit monde tech sur le Bénin et c'est un gros pari, franchement. Donc, je lui dis déjà bravo pour ça. Pour concernant Yann, donc Yann lui sera présent physiquement sur la Martinique, donc sur les Antilles françaises, début du mois de février, donc le 9 et le 10. Donc je serai avec lui sur cette présentation. On sera sur une thématique liée à la performance, donc la performance dans le business, donc les résultats. Voilà. Bon, parce que monter une structure, c'est bien. Lancer un business, c'est bien. Faire vivre son business, c'est bien. Et avoir de super résultats dans son business, c'est mieux. Voilà. Donc, c'est vraiment de ça qu'on va parler et de comment y arriver, comment passer les étapes, parce que bah, c'est pas forcément facile. Les meilleurs conseils qu'on puisse avoir. Et puis, surtout, avoir l'état d'esprit qu'il faut pour pouvoir se dire que je peux simplement être à mon compte. Ou générer des revenus, mais je peux aussi être un chef d'entreprise qui a des business à succès. Voilà. Et comment faire? Voilà. Donc, on va effectivement multiplier les sessions live comme ça dans les semaines à venir. Donc, les prochains concernent, il y aura une formation aussi mardi. Donc, il faudra suivre sur la page au fur et à mesure. Je parlais aussi des différentes interventions qu'on aura avec d'autres entrepreneurs. Donc, ça va être vraiment intéressant. Pour comprendre, on parle vraiment entreprise, on parle vraiment entrepreneuriat, mais pas forcément si vous êtes salarié, vous êtes concerné aussi. Voilà, concrètement, c'est un mindset qu'on apporte, un état d'esprit, une façon de voir les choses, et vous n'avez pas besoin d'être entrepreneur pour ça. Voilà, donc voilà. Donc, je rappelle le lien de la page sur Facebook, donc c'est Entrepreneur Puissant, le groupe sur lequel vous pouvez échanger, vous présenter votre activité. C'est entrepreneur puissant aussi.
Sur le l'Instagram, c'est Entrepreneur Puissant avec l'arrobase PWRFVLL. Je vous mettrai tout ça dans les commentaires et en dessous de la vidéo. Et puis, moi, ce que je vous invite à faire, c'est dès que vous avez un moment, de dire un petit peu quelles sont vos attentes au niveau de la page, ce que vous aimeriez qu'on traite, qu'on aborde. Ça peut être bah, différentes thématiques, on va essayer de faire ça bien. Et puis, de présenter vos activités dans le groupe Facebook. Donc après, bon, pour le moment, on le fait sous Facebook. Après, on verra de quelle manière le faire différemment. Et ça peut déjà être très bien de commencer comme ça. Et puis après, on voit effectivement si on peut améliorer les choses. Donc voilà. Bon, voilà, on a passé un petit moment ensemble. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de partager la vidéo pour ceux qui ont trouvé ça sympa, de vous abonner à la page. Donc Facebook, entrepreneur puissant, au groupe, donc d'entrer dans le groupe. Si vous êtes chef d'entreprise, vous présentez votre activité. Si vous avez des projets et que vous êtes juste en train de réfléchir, qu'est-ce que vous allez faire, si vous êtes un salarié aujourd'hui et que vous avez une idée, n'hésitez pas à le mettre sur le groupe. Il y a plein d'entrepreneurs qui vont pouvoir vous aider. C'est vraiment ça la dynamique. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite moi une bonne soirée. Ici sur la Martinique, il est 18h10. C'est l'heure 18h18. Et puis, à très bientôt. C'était Josué.